Bonsoir les comédiens. 19h55. Stand by 5 minutes. On ouvre la salle. Je suis une fille de joie. Je meurs. C'est triste. Je cherche un auteur de théâtre. De théâtre? Oh, comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Oh, hé! Hey! Hé, oh! Y'a quelqu'un? Mais qu'est-ce que c'est que ce tapage? Soudain! On sonne à la porte. Sonnette! La bonne va ouvrir. C'est sûrement le capitaine des pompiers. Impossible. Il est mort. Oh non. C'est terrible. Il faut appeler la police. Marie! Tu vivras pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'ils font pas le ménage dans leur appartement. Comment voulez-vous qu'ils fassent dans leur tête? Je suis acteur. J'actais. Et je meurs. Actuellement. Son nom de famille, c'est Ionesco. Avec un O. O. À la fin. Il ne m'aime pas. Comment ça se fait qu'il ne m'aime pas? Adieu. Au revoir. À la prochaine. À bientôt. À plus tard. Attendez. Je suis... 1972, Macbeth. 1973, formidable bordel. 1975, l'homme aux valises. 1980, voyage célèbre. Parlez-moi de Eugène Ionesco. Bruit de porte! Hé, hey, oh! T'as pas fini avec la porte? On t'a jamais appris à retenir ça, une porte! Da! Mais Ionesco, lui? Qui est ce Ionesco? Marie-Jeanne. Nicolas. Jean-Marie. Marie-Marie. La femme. Juliette.
Nicolas, Amédée. Madame Lucienne, la sorcière, la fille, 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 la fille,